Et yo tout le monde, c'est Otsi, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay sur Black Ops 3. Donc oui, je parle en live, c'est mon premier live sur ma chaîne. Donc je vais lancer une nouvelle série, ça s'appellera la ruée vers l'or, excusez-moi. Donc j'ai monté toutes mes armes, enfin pas toutes les armes, mais enfin voici, je pense que je vais vous présenter toutes les armes du jeu en or. En tout cas là j'ai monté l'Argus en or. Donc en premier temps je vais vous dire quel sort je mets sur cette arme et pourquoi, les atouts et les jokers. Donc voilà. Alors là j'ai mis l'Argus en or, comme vous le voyez. J'ai mis canon long. Pourquoi le canon long? Parce que bah, tous les joueurs de Black Ops 3 le savent, hein. Le fusil à pompe, l'Argus, hein, c'est même pas fusil à pompe, c'est un sniper. Mais j'ai mis un canon long pour avoir encore une meilleure portée. Je mets poignard go, c'est pour avoir le premier tir, donc je one shot direct. Enfin, je le tue direct, c'est pas... Enfin, voilà. Après, je mets gilet pare-balles parce que moi, je joue beaucoup en domination, démolition, enfin, les jeux en... objectif, donc les grenades et stars, c'est vraiment chiant, donc je mets gilet pare-balles. Fantôme, c'est pour éviter tous les drones et stars. Je mets pillard si on sait jamais, hein, je fais une série star, bah, je mets pillard. Je mets ma statique parce que les grenades, par exemple, comme je vous ai dit, je joue en beaucoup en jeu objectif, donc les grenades et stars, c'est vraiment chiant aussi. Donc je mets ma statique et je mets impulsion furtive, c'est pour éviter de me faire opérer. Après, soif d'atout 3 et soif d'atout 1, c'est pour avoir les deux atouts et star. Ça, vous le savez, je pense. Comme spécialiste, je mets Seraph concentration. Donc que là, je suis à là. Hein. Je suis à là et à là. J'ai du mal à faire ce défi-là. Mais je vais le faire un jour ou un autre. Hein. Série de points. Je mets drone de brouillage et hater. Bah c'est pour voilà quoi, pour pas faire des gros je mets pas des gros score screens qui se débloquent dans très longtemps, bah, à part le hater. Généralement je le débloque presque jamais. Bon, à part si je capture des positions. Mais sinon drone et drone de brouillage, ça je le débloque tout le temps. Donc voilà. Donc j'ai lancé une partie de MME. Voilà. Ah. Bah une partie déjà commencée, j'espère qu'il n'y a pas, on se fait pas trop défoncer. Ouf, c'est bien juste de commencer. Sinon si ça, si c'est la partie est trop avancée, je ferai une coupure et je reviendrai. Je ferai une coupure. Donc voilà. Ah oui, alors la chaîne de Pierrot, je sais pas si vous l'avez vu, mais il a été fermé, enfin clôturé, car il a eu 3 strikes. Donc malheureusement il s'est fait fermer sa chaîne, donc il pourra plus jamais récupérer sa chaîne. Maintenant mais c'est mieux de commencer. Donc oui, je disais, donc je crois qu'il va recréer une chaîne, enfin je sais pas trop, je vous en dirai un peu plus dans des prochaines vidéos, mais voilà. Alors Exodus, je crois jamais fait cette map ou très peu, donc je la connais pas vraiment. Je joue beaucoup à Newton, moi, beaucoup Newton et oh le turn, je joue beaucoup sur Newton de Newton domination. J'adore Newton, c'est une map que j'adore et je fais vraiment parfois des carnages en capturant A et B, tu vois, vous pouvez faire vraiment des carnages. Donc là malheureusement on n'est pas sur Newton. Je crois que je suis dans leur spawn là. Ouais. Ça va spawn back à mon avis. Donc oui, je... Tout le monde peut... Enfin, vous pouvez croire que je joue avec une manette burn ou scuff, mais pas du tout, je joue avec une manette normale. Hein. Mais à Noël... J'aurai une manette burn. Donc ça peut vraiment changer. Pas ma vie, mais voilà quoi. Je pourrais faire encore des meilleurs gameplays. Pousse-toi. Merci.
Donc voilà, par contre je vois personne. Alors excusez-moi si je parle pas trop, j'essaie de me concentrer pour vous donner un bon gameplay. Alors ils sont où là? Putain, ça qui est un peu chiant MME, ça spawn by tout le temps. Oh, vous avez vu la distance? Oh le hitmarker. Tiens, en même temps je vais vous montrer. Regardez. Là, je tire une fois. Vous avez vu toutes les balles qui sont parties? Et là, je tire en visant. Il y a une seule balle qui est partie. Donc en visant, vous avez plus de chances, même 90% de chances de one-shotter. À part si vous tirez dans les pieds, hein, bien sûr. Donc, vous avez vu? Vous avez vu la distance? Donc franchement, c'est pour ça que j'adore ce fusil à pompe. Même si je fais pas de gros scores avec cette arme, mais je m'amuse beaucoup avec cette arme. Je sais, je l'ai vu le mec là-bas, hein, mais il est trop loin pour que je l'aille le tuer. Donc il... Ah merde. Donc aussi, je joue en tactique. Je joue à une sensibilité de 9 et 14. Voilà, si vous voulez savoir ma sensibilité. Donc franchement, j'ai rien à dire sur ce Call of Duty. Hein. Bon, j'ai déjà dit mes avis sur sur Call of Duty Black Ops 3. Donc franchement, c'est très positif. Je prends beaucoup plaisir à jouer sur ce jeu. Attends, je l'ai vu lui. Je vais essayer de le buter. On t'arrête de sauter. Alors, joue avec concentration, c'est pour. Ah, bah bien joué, bah, ça m'a servi à rien. Mais je joue avec concentration, c'est pour débloquer plus vite mes score streak. Alors, malheureusement, j'ai jamais fait nucléaire sur ce jeu. Sur la bêta, j'en ai fait deux. Non, une autre fail. Alors, je vous ai présenté sur ma chaîne. Hein, j'étais en série de 25, mais malheureusement, la partie s'est terminée. Donc, mais j'aurais pu largement faire la nucléaire. Donc, voilà. Oh là là. J'essaie de vous mettre un score positif quand même. Ça serait bien. Arrêtez de me voler les kills. Je vais partir. Oh là là. Bon, bien joué, mais fou. Par contre, le seul truc qu'ils ont abusé, c'est le couteau. Donc, quelque part, tant mieux. Hein, parce que c'est vraiment casse-couille le couteau. C'est niveau 40. Pour tous les joueurs de couteau, etc. Ça, c'est vraiment casse-couille. Hein. Putain, ils ont débloqué les raps. Ah, il est en série. Ah ouais. Et 25, ils sont chauds en face. Hein. Putain. Me dis pas, je vais mourir, voilà. Ah, c'est chiant aussi quand tu sautes et t'as plus de batterie. Enfin, de trucs là. Bon, bah malheureusement, on pourra pas gagner dans cette game. Ah, c'est toi! Ah, d'accord, ok. Ah, si tu t'es comme ça, toi, je comprends pourquoi tu fais un score comme ça. Donc, malheureusement, on a perdu. Sur un score de 10-13, malheureusement, j'ai pas fait un score positif. Mais en tout cas, j'espère que vous avez bien aimé ce gameplay. Enfin, pas ce gameplay parce qu'il est pas tellement bien. Mais la vidéo.
N'oubliez pas de lâcher un like, commenter et partager. Et bien sûr, si vous abonnez. Et je vous dis bye. Allez, peace.